avez réussi à claquer une porte. Moi, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer? Dans l'enquête d'aujourd'hui, on va se rendre dans un lieu où on a déjà enquêté la semaine dernière, je crois que c'était mercredi, et je vous avais parlé de faire une contre-enquête. Je suis accompagné ce soir de Olivia des Mystiques Paranormales. Bonjour à tous. Depuis combien de temps tu as créé Mystiques Paranormales? Donc avec Émilie, l'histoire c'est on s'est connus au travail, il y a 3 ans en arrière maintenant, et on parlait beaucoup de paranormal. Et donc on a commencé à faire nos petites enquêtes sans vidéo, hein, sans rien, à la maison. Et puis au fur et à mesure, j'ai proposé à Émilie, pourquoi pas, se filmer et poster sur YouTube pour avoir un retour des personnes, savoir qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils pensent sur notre travail. Et on a joué le jeu. Et du coup, Mystique, ça fait maintenant 2 ans qu'on a une chaîne YouTube et une page Facebook. Donc Olivia, ce soir, je t'emmène dans un lieu où j'ai été enquêté la semaine dernière. Pour toi, qu'est-ce que le ressenti que tu as par rapport au lieu que je vais t'inviter ce soir? Ouais, après avoir vu cette enquête, j'ai vu vos ressentis et je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans ce lieu. Moi, ouais, il y a beaucoup de choses, surtout ce qu'on a entendu. Donc, ce soir, avec toi et moi, on va pouvoir rester plus longtemps, aller aux endroits où on n'a pas pu aller, surtout à un endroit où on est allé, on a entendu des bruits de pas et que là on va pouvoir peut-être démystifier avec toi, qui sera présent avec nous. Donc on espère vous amener des preuves ce soir, on ne vous garantit pas. Donc là on va pouvoir préparer tout le matériel et puis on va se diriger vers cette enquête. Je m'appelle Fred. Depuis plusieurs années, on me considère comme un chasseur de fantômes. Je mène l'enquête dans des lieux ayant une forte activité paranormale, que ce soit un manoir à l'abandon ou un sanatorium désaffecté. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. Les fantômes sont-ils bien réels ou sont-ils tout simplement une chimère de notre inconscience? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans Enquête de l'inexpliqué. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir on est réunis pour faire une contre-enquête du château. Donc, je suis accompagné ce soir d'Olivia des Mystiques Paranormales. Donc Olivia, pour toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport au lieu? Pas énormément de choses encore pour l'instant. On va voir sur un peu plus tard. Par contre le lieu il est magnifique. Je pense que ce lieu cache pas mal de choses. On va essayer de démystifier. À savoir qu'il a été construit au XVe siècle. Et puis il a servi souvent de prison. Il a servi aussi de caserne militaire pour l'artillerie. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Donc là j'ai installé une GoPro, vision nocturne, full spectre, avec une lampe infrarouge qui va éclairer, qui va filmer dans la direction de la porte. Donc là on est prêt à... on va commencer l'investigation. Donc Olivia est équipé d'un enregistreur numérique, moi de même. Et Jim, il est avec le casque au niveau du caméscope, la caméra. Donc on entendra mieux les bruits. On n'utilise pas du tout de K2, on n'utilise rien de cela, juste un pod qui est posé, filmé par une caméra en full spectre, en statique. Tu n'utilises rien d'autre ce soir? Rien d'autre. Pas de K2, rien du tout. Pas de Spirit box? Pas de Spirit box, rien, juste sur le ressenti, l'écoute et l'observation. Donc là, on va commencer l'enquête tranquillement. Si tu veux. On va avancer direct, on va aller jusque... Oui, je suis... Allez, oui. Vas-y. On va ressentir quelque chose ici. On va ressentir quelque chose ici? Donc au niveau de l'enquête, il y a la semaine dernière, quand on est venu enquêter ici, j'ai eu un ressenti là. Ici, j'ai vraiment senti des frissons dans tout le corps, c'est parti comme c'est venu. Et ensuite, j'ai eu comme une main froide au niveau de l'entrée là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu comme ressenti ici, rien d'autre. À part dans l'autre pièce plus loin, je te montrerai. Donc là, on va se faire une séance de PVE. Oui. C'est toi qui as claqué. Oui. C'est là, non? C'est toi qui as claqué. T'as claqué là. Bonsoir. Je m'appelle Olivia. Je suis venue ici pour vous rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, dans ce sous-sol, qui veut communiquer avec nous? On ne vous veut pas de mal. Je suis là pour parler, en tout respect, de ces lieux, surtout et surtout de vous. N'ayez pas peur de nous. Est-ce que c'est pas de nous? Attends. Pour confirmer ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fuite. Oh, le trou qu'il y a là. Est-ce que vous êtes avec nous ici dans cette pièce? Faites un bruit. Ou genre, juste un objet. Là, vous avez une chaise, juste là. Essayez de, la pousser. Vous pouvez nous suivre si vous êtes là. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites anecdotes sur l'histoire de ce château, s'il vous plaît? Si vous avez vécu, faites, je sais pas, dites quelque chose, on a des enregistreurs, des boîtes dans nos mains, vous pouvez parler dedans, je vous entends. Un mot? C'est super compliqué pour vous. C'est un gros problème. Essayez de taper dans un mur, s'il vous plaît. Vous pouvez nous toucher aussi. Aussi. Apparemment, il y aurait une femme dans ce lieu. Est-ce qu'elle est là, cette femme? C'est très calme. C'est calme. Depuis le début. Attends. Attends, cette pièce là-bas, je sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose là-bas. Faut attendre un peu, hein. Mmh. Vous avez rien à craindre de nous, vous pouvez vous approcher. Nous. Faites un bruit, même si vous avez du mal à... soit vous avez peur. Mais je ne serais de faire un bruit pour montrer votre présence. Si vous avez peur de vous approcher de nous, faites un bruit. Je sais pas, vous pouvez taper là-dessus. Vous pouvez taper dessus. Est-ce que vous pouvez taper là-dessus? Vous pouvez vous approcher de cet appareil là, je porte. Je peux vous entendre, mais très bien même. J'ai l'impression que j'entends parler. J'entends les trucs. Ouais, j'arrive pas moi, c'est pareil. Je sais pas, j'ai l'impression que j'entends parler par là. Il faut que j'entends parler par là. On m'a dit que ça fait... Vous avez encore une conversation. L'impression que... C'est sûr que ça parle par ici, ou ça parle pas. Et j'ai l'impression qu'on entend que ça froisse là. Voilà, j'ai pas l'impression que j'entends parler. Je sais pas, c'est juste une voix de femme, une femme qui parlait, mais loin, loin. Ah, est-ce que c'est un bruit extérieur? Est-ce que vous avez vécu dans ce lieu? Je sais que ce lieu date à peu près... Ce lieu à peu près 500 ans. Ce lieu à peu près 500 ans. Il y a des histoires, des malheurs qui ont dû s'y passer. Faites-moi un signe, je sais pas, faites un bruit. Vous pouvez bouger la porte. Juste à l'entrée, il y a une porte, une grille. Est-ce que vous pouvez la bouger, cette porte? Juste un petit peu. Je ne vous demande pas de la fermer. Entendu? T'as entendu quoi? Un petit claquement. Vous pouvez le refaire? Donc ça bouge par là. On avance là-bas. On va avancer là-bas. Allez. En tout cas, vous avez un joli château. Ouais, très joli. Un beau. Une bouteille, c'est en pierre, style. Ça, c'est beau. Style néo-gothique, style bar, de façon style bar, 15e siècle, de toute façon. Mais c'est, je sais pas, c'est cette pièce-là, le plus fraîche, hein, cette pièce. Elle est plus fraîche. Ouais. Hein, on sent la différence. C'est rien de paranormal. Non, mais non. Paranormal, non. Mais il y a une diff, ouais, carrément. Racontez-nous l'histoire de ce lieu. On aimerait connaître un peu l'histoire de ce lieu. Dites quelque chose. Je sais que c'est difficile pour vous. Qu'est-ce qui vous rappelle ce lieu? Des moments de joie, des moments de fête, tristesse peut-être, ouais. Malheur. Je pense que ça a dû passer dans tous les moments de... Bah après, les murs, ça garde l'énergie des souvenirs passés. Ouais, tellement c'est vieux que... Donc souvent, l'énergie, ça peut être de l'énergie résiduelle. Ça peut pas... Comme je toujours dit, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça ne vient pas comme ça. On peut venir un jour, il ne se passe rien, un autre jour, il se passe plein de choses. Alors, ça ne se commande pas, et souvent ils ne veulent pas communiquer. Peut-être qu'on les dérange, parce que peut-être jamais personne n'est venu enquêter ici, donc on les dérange peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui vous dérange? C'est quoi la lumière, là? J'ai vu une lumière, comme si qu'il y a un truc, je sais pas, qui éclairait. Mais c'est ici, il fait frais. Je te jure, j'ai vu une lumière, je sais pas ce que c'est. sais pas ce que j'ai vu, je sais pas. C'était là. Ça passait là, ici. Là, ça passait là, comme ça. À ce niveau-là, alors, ça passait ici. En fait, vraiment de la porte, alors. Je l'ai vu de là-bas, j'ai vu deux boules jaunes passer. Je sais pas ce que c'est. Après, si on voit pas en vidéo, on voit en vidéo, on voit chez Jim. Moi, les yeux jouent des tours, mais... Quand il fait noir là-bas, je suis désolé, quand tu vois deux boules jaunes passer... Ouais, bah moi je suis à moi, le temps que je tourne la tête, c'est passé. Que moi je regardais en entrant dans la porte. Et si vous êtes capable de le refaire dans ce champ ici, dans ce couloir, s'il vous plaît. Testez. Hein. C'est bizarre. Enfin, on verra ça sur les... On verra ça sur les analyses. Alors que nous enquêtions au sous-sol, je fus le témoin d'une apparition étrange. Alors que je parlais avec Olivia, j'aperçus au loin deux boules jaunes passer. Pendant les analyses, une étrange anomalie visuelle fut constatée quelques minutes avant. Serait-ce la même manifestation? S'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce... Putain, c'était quoi ça? T'as pas entendu? Ça a parlé. Bah oui. Hein? Bah, ouais. Un homme, c'était plus masculin. C'est pas toi qui a parlé, enfin, t'as chuchoté. Non, non, non. Ouais, c'était bizarre. De toute façon, j'aurais entendu. Ouais. C'était rien à voir avec ta voix, quoi. Oui, ça aussi, ouais, faut prendre en compte. Hein. Ça va être difficile pour vous, ce que je vais demander, mais est-ce que c'est possible que vous jetiez un petit caillou, s'il vous plaît? Moi, j'ai déjà eu ça, toi aussi, non? Mmh. Hein? Ah oui. Des jets de cailloux. C'est toi, ça? Mmh. Oui, oui. Faites un bruit. Pardon. Faites un bruit. Vous voulez qu'on parte? On va retourner dans la même pièce qu'on a été. Mais par contre, je mets ça dans le couloir. Oui. Et qui filme le couloir. Je suis tout à fait d'accord. Jusqu'au bout. Là, t'es allé dans mes pensées. Ouais. Tu veux... Je prends un truc quand même. Non, c'est bon. Hop, nickel. C'est bon, c'est bon pour nous. Après 45 minutes passées au sous-sol, je décide de monter à l'étage où, avec Jim, nous avions été les témoins de bruits étranges une semaine plus tôt. Tu te souviens de l'épisode? Ouais. Regarde où elle est, la carte. Quoi? Ouais. La carte, elle était là. Je l'ai regardée. Regarde où elle est. Tu me mets dans le coin comme tu étais là-bas. Ici, on entend des bruits de pop, on entend nos portes claquer quand on était dans cette pièce. On va voir si ça va se reproduire. On verra bien de toute façon. Toutes les fenêtres, elles sont fermées. Tout un. On a vérifié. T'es témoin. On a fait voir, tout est fermé. Nous, quand on est venus la semaine dernière, tout était encore fermé. Donc, je comprends pas qu'on entend une porte claquer. Alors tout est fermé. Plus entendre des bruits de porte. Dans le couloir. Une porte, vous ne savez pas laquelle? Non, ça claquait dans le couloir. Je vais mettre là-haut. Comme ça, je pense. Donc, vous avez réussi à claquer une porte. Moi, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer? Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Je sais qu'il y avait quelqu'un avec nous la dernière fois dans le couloir. Est-ce que vous pouvez refaire le même bruit de marché? Hein? C'est le plancher qui a craqué. Est-ce que vous pouvez craquer une porte dans le couloir? Moi j'aimerais bien rentrer en contact avec cette femme. Madame? Sur la vidéo de Fred, on vous a entendu. On vous a entendu gémir même. Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? C'est le sous-toit? Ouais. Écoute. Oh putain, ouais. Ouais. T'entends là? Ouais. Putain. Madame, qu'est-ce que vous faisiez dans ce bâtiment? Vous travaillez ici? Vous avez entendu? Non. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a crié non. C'est vrai? Ouais. C'est déstabilisant. Non, vous ne travaillez pas ici. Ici? Ouais, j'en ai vu. Vous pouvez refaire? Je vais faire un son. Est-ce que vous pouvez répéter le son que je vais faire? Je vais le refaire une fois. Vous avez entendu? Ouais, putain, hey. Quoi? Je crois que c'est... Ouais, t'as entendu taper un peu ou pas? Non, ça c'est... Ouh. Ah non, bah rien à voir alors. Toi, t'as entendu une voix? Ouais. C'était prêt en tout cas. J'ai entendu taper, mais alors après c'est peut-être tes pieds, Fred, ou c'est... Non, je peux bouger. Non, mais... Je peux bouger là. Ouais. Non, je sais pas là. Attends, j'en fais... Vous voulez qu'on vous laisse tranquille ? Si vous voulez qu'on reste, tapez une fois sur un mur. Si vous voulez qu'on parte, tapez 2 fois sur un mur. Ce qu'on va faire, on va un peu avancer dans le couloir. Si on va un peu marcher dans le couloir, enquêter, voir. Tous ces bruits étranges nous amèneraient-ils à la conclusion qu'une ou plusieurs entités habiteraient encore ce château? Je prends l'initiative de démystifier les bruits entendus la semaine dernière en essayant de les reproduire, mais hélas sans résultat concret. Attends, ça faisait... Non, c'est pas mal, non. Nous partons alors dans l'une des pièces que nous n'avions pas encore visitées, une pièce qui va d'ailleurs nous apporter d'autres éléments troublants. C'est bon? C'est bon pour toi? Oui. Je voulais juste savoir quand même un truc. Si vous êtes là, est-ce que vous êtes bien ici? C'est ça le principal. Est-ce que vous êtes bien? Dites juste oui ou non. Juste avant. Ouais, c'est ça. C'était ça que j'entendais. Parce que j'avais chaud de l'autre, je suis pas sûr. Pas qu'une fois que t'as fait. T'as fait 2 ou 3 fois. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Plusieurs bruits retentissent dans la pièce. L'un d'entre eux fut interprété par Jim qui croit en être la cause. Cependant, aux analyses des rushs de la caméra statique, on peut voir que Jim marche mais que le bruit n'est pas du tout synchronisé avec ses pas. Il s'en excuse même, c'est d'ailleurs pour cela que nous ne sommes pas d'ailleurs surpris par ce dernier. Il y avait combien de militaires ici? C'était une garnison de combien de militaires environ? C'est nombreux? Bah oui, moi j'en entendais parler là, non? Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, mais je suis pas au courant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche là, c'est pas possible, j'entends marcher là. J'entends des bruits là. Puis il y a des PVE, on en a plein, on entend des voix, on entend plein de choses. C'est pas possible. Vous avez rien à nous raconter par rapport à l'armée? Fred et moi, on est deux anciens militaires. D'où le respect de ces lieux, le respect de vous. Pas là que vous ayez peur de nous. On n'est pas là pour vous chasser d'ici. Au contraire. De rentrer. Oh, c'est bien. Ça pollue tout. Ah ouais, c'est trop peur. Merde. Il y a de l'eau qui coule. Ouais. Tu vois pour quelle heure il est? Vas-y, va. Minuit 43. C'est qu'il y en a qui rentrent pas dans le bâtiment. Parce que... Mm. C'est quoi le derrière? Oh putain. Putain, ils sont là. Ils sont dans le bâtiment. Il faut de la lumière. Donc là on s'est mis... Donc là on est au grenier, au dernier étage. À savoir qu'on a entendu des cris. Est-ce que c'est à l'intérieur du château ou dehors? Donc on s'est un peu isolé au fond du sous-toit. On attend un peu. On fait une pause. On fait une pause, on attend voir si... On écoute un peu. On écoute s'ils sont pas dans le château. Là, on n'entend rien pour l'instant, on va encore attendre un peu. On va pas trop non plus... Ouais, pour qu'ils s'éloignent un peu. Donc on attend un peu. Du vent. Je pense que c'est bon. De toute façon, on les entend rire en bas. Mmh. C'est moi, hein. Oh, sous mon pied. Oh, on est désolé. On est désolé de ce qui se passe là, mais bon. Ça, on ne peut rien. Hein. Les aléas, des enquêtes. De toute façon, on fera un débriefing en rentrant. Il y avait une anomalie visuelle. Ah. Juste à ta gauche en fait. Ouais, ta droite, à toi. Ici? Au-dessus. Au niveau de ta tête, ouais. Vous voulez toucher la peluche? Il y a encore les mêmes cris. Mmh. C'est pénible. Ça sent le train. Ouais. Soirée, un peu plus loin. Parce que c'est des mecs qui livrent. Peut-être en fait, ici on entend vachement plus. Ouais, c'est moins isolé qu'on va. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pollu ici. Hein. On laisse, bah, on descend, on change de. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi. Bah non. C'est pas ton ventre là. Ah non. Sans déconner. Ah non, c'est pas moi. Là, c'était bizarre. Ouais. Ah, j'ai fait ça. Bah. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou quoi? Ça craint un peu quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Je sais pas. Si vous avez entendu des voix. Ouais. C'était quelqu'un avec nous dans cette pièce. La dernière fois on est venu ici, on a entendu le murmure d'une femme, 2 fois. Est-ce que vous êtes encore avec nous là, en ce moment même? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe significatif pour dire que vous êtes là? Tapez dans un carreau si vous pouvez. Je coupe 2 secondes, mais quand on était au 3e, ouais. Pour moi c'était un grognement qu'on a entendu. Le dernier. Ouais. C'est un grognement que j'ai entendu. Ouais, ouais, c'était bizarre. Je disais rien, je crois que c'était le ventre à Jim. Non, les lumières. On l'aurait dit, mais c'est pas vrai. De toute façon, ça, c'est, à mon avis, c'est enregistré, ça. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'il était assez fort. Ouais. Enfin, j'espère. Bah moi, j'ai regardé Fred. Je croyais que c'était lui, en fait. Non, tout con. Mais j'ai même pas réagi. J'ai entendu, j'ai pas réagi. Je sais pas, vous avez peut-être voulu communiquer avec moi la semaine dernière. Je suis là. Vous avez quelque chose à dire ? Dans le marché. Non, mais elle a encore murmuré. J'ai entendu murmurer, elle a murmuré là. C'est moi maintenant que j'entends marcher. Bah, bah. Tout contraire. Toi, t'as entendu marcher, moi j'ai entendu murmurer. Allez avec nous, j'ai entendu. Maintenant vous avez murmuré, je vous ai entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? En tout cas, je certifie à 100% que je l'ai entendu. Ça, je peux le... Ah ouais, moi aussi. J'ai entendu murmurer. Je l'ai encore entendu. Là encore ? Hein ? Non, pas maintenant. Non, non. Avant. Juste avant. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de crier? Par contre, faut pas oublier Teddy. On se barre. On reste pas là. Je pensais qu'on restait dans le coin. Ah ouais. Bon. Moi, j'ai juste une chose à dire. Après, c'est... Allez ici, il y a quelqu'un ici. C'est pas possible. J'ai vraiment entendu le murmurer. Bien. Pourquoi ça parle pas? Mais je sais pas. Est-ce qu'elle a du mal à parler? Est-ce qu'elle va s'exprimer? Est-ce que les... Bah oui, bien sûr. J'ai quand entendu. Après, même sans instance rationnelle, on n'a pas entendu une chouette, on est d'accord? Ah oui, une seule fois. À part, bien sûr, des bruits dans la rue. Mais... Je sais pas, il y a quelque chose ici, c'est pas possible. Elle parle pas, cette femme, en fait. Quoi? Je sais pas, elle murmure, elle fait que murmure. Elle gémit, c'est tout. Je sais pas pourquoi. Muette, je sais pas. Est-ce que vous étiez muette? Si c'est le cas, tapez dans un mur. Ouais. C'est pas nous ça. Ah non, c'est pas nous. Hein. Du verre par terre, mais bien loin. Non, ça c'est moi. J'entends bien un coup de verre. Ouais, juste. T'inquiète, reste là. Là, y a personne. On peut bien entendu un coup de verre au loin. Hein. Y a quelqu'un? C'est aveuglant, je te jure. Il y a personne, c'est quoi? Ouais, un morceau de verre. Là, c'est bien du verre qu'on a entendu par terre. Oh, c'est quoi là derrière? En même temps, hein, en plus. C'est quoi derrière vous, là, la pièce? On est seul de là. C'est seul de là. Ce ballet d'anomalies visuelles est surprenant, sans compter ses mystérieux bruits, gémissements, soupirs et grouillements. Ces contre-enquêtes aura su apporter son lot de surprises. Y aurait-il une ou plusieurs entités curieuses qui nous auraient observés tout au long? Nous sommes en tout point convaincus de cette hypothèse. Donc l'épisode va se finir maintenant, parce qu'on commence à fatiguer un peu. Ouais. J'ai plus de jambes, j'ai les jambes coupées. Ouais, moi aussi, puis surtout que bah, toi t'as pris l'avion, moi j'ai fini à 7h du matin de travailler. Il y a tout. Voilà, on est fatigué, on a eu beaucoup de choses, on va analyser. De toute façon, on va faire un grand débriefing après. Ouais. On va faire un débriefing en rentrant. Là, on va rentrer et puis on va mettre fin à tout ça. Donc ça s'est bien passé, par contre, on a cru entendre des gens, mais après on ne sait pas encore. C'est à l'extérieur. Mais bon, on va faire un débriefing, on a rien, on stoppe l'enquête là. Voilà. Pour le débriefing, on a beaucoup de points à aborder, à savoir qu'il y aura 6 points à aborder ce soir. Le premier point à aborder, ça sera sur les ressentis de l'enquête. C'était pas la même ambiance déjà par rapport à la première enquête qu'on a fait à deux. C'était pas sur le même contexte parce qu'on était 3. Donc on était avec Olivia. C'est ça, au niveau du sous-sol, quand on a commencé l'enquête, on commençait au niveau du sous-sol, il y a eu plus d'anomalies visuelles que la première enquête. Il y avait toujours ces courants d'air, mais il y a quelque chose, enfin, c'était pas pareil quoi, je veux dire, il faisait moins frais, tu vois ce que je veux dire, il y avait toujours ce courant d'air. Hein. Ouais. D'ailleurs, qu'on peut entendre par rapport au micro, on n'entend que le micro, ça souffle dans le canon. Quand on était dans la pièce, enfin, au niveau du sous-sol, où est-ce que j'ai eu cette main froide dans le cou, on a entendu un bruit, je crois, avec Olivia, c'est ça, on a entendu un bruit. Je sais pas, instinctivement, j'ai regardé au fond de la pièce et là j'ai vu comme deux boules lumineuses qui se déplaçaient de la droite vers la gauche. Au départ, je crois que c'était des lumières, enfin, je crois que c'était quelqu'un qui arrivait en fait. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai bien fixé, je suis allé voir directement. En fin de compte, il n'y avait personne, donc je sais pas ce que j'ai vu. Alors, est-ce que c'est mes yeux qui ont joué ça sur l'obscurité, j'en sais rien, mais moi j'ai vu quelque chose, ce qui est sûr. Ce qui est le plus étonnant, d'ailleurs tu le dis toi-même dans la voix, c'est qu'en fait, quelques minutes avant, on l'avait même d'ailleurs partagé sur la page Facebook, parce que l'anomalie était tellement étrange. Ouais. Parce qu'on voit comme une forme de lumière en fait, qui clignote contre un mur. Et du coup, voilà, est-ce que c'est le même genre de manifestation que tu as pu voir? On ne sait pas du coup. Après, sur le ressenti de la cave, après, bon, on a eu quelques bruits dans la chapelle. On était assis sur les marches. D'ailleurs, pour parler de la chapelle, un point à noter, on voit bien Fred sur les roches qui installe une caméra. On va expliquer ça rapidement. La caméra statique, en fait, elle a filmé. Ça, on est certain qu'elle a filmé, ça c'est certain. On n'a aucun rush. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en fait, on a eu deux rushs de cette caméra qui auraient été en fait totalement endommagés. Donc on a, grâce à un logiciel, ça nous a pris 1h30 pour final trouver un logiciel qui nous a pris 5 minutes à convertir. On avait réussi à trouver le moyen de réparer ce fichier, bon, malgré quelques saccades visuelles. On a réussi quand même à pouvoir vous montrer que voilà, le coup qu'il y a eu dans cette pièce, là où on était à l'étage, on était dans cette nouvelle pièce hein, parce qu'on ne l'avait pas visitée avant. On entend, enfin moi je marche en fait, je fais mon plan, je te filme. Et là, moi je marche, donc je suis concentré à regarder l'écran. Et là, il y a un gros boom. Ouais. Moi, ma première réaction, en fait, vu que je marche à ce moment-là, je me dis pas oh là là, il y a quelque chose. Je me dis juste merde, c'est moi en fait dans ma tête. Donc, instinctivement, je dis pardon. Parce que du coup, nous on prête pas attention à ce bruit-là parce que tu dis toi-même désolé, c'est moi. Donc, nous on prête pas attention à ce bruit-là parce que la marche est sur le plancher, il y avait un gros bruit. Bon, voilà. 2 minutes après, encore le même bruit, un peu moins fort, mais le même bruit. Là, on voit bien Olivia qui dit oups là, elle se dit bon, hop, automatiquement on pense que c'est toi. Tout le long reste rationnel. Voilà. Sauf qu'après, quand on a analysé ce rush, bah, on se rend compte de l'évidence avec le son. Bah, on se rend compte que je bouge, que je marche, mais ça s'est joué à une microseconde. Au niveau du rush, au niveau de la bande, quand tu mets le ralenti, on a vraiment l'impression que c'est même pas un bruit qui fait qu'il est au sol, on dirait que c'est quelque chose qui est jeté au sol. Ouais, c'est mon ressenti. On jette quelque chose, c'est quelque chose qui est jeté au sol. Après, à vous de faire votre propre analyse. Par contre, on ne dit pas que c'est paranormal. Voilà, ça peut être plein de choses. Pour moi, j'ai aucune explication sur ce qui s'est passé. Non. Là, on a quand même eu des PVE assez incroyables, que même nous, dans la première enquête, on n'a pas eu. Et quand on écoutait les rushs, on s'est regardé à deux, on s'est dit, mais c'est quoi ces trucs? Au début, il y a un problème, sur la caméra, je sais pas, il y a un souci. Ah, non, parce qu'il y a un PVE qui est, franchement, qui est flippant. C'est une espèce de... ça souffle, enfin ça fait... genre ça veut nous donner l'attention, ça fait un truc dans le genre, de toute façon vous verrez. On l'a pas entendu. Moi je l'ai pas entendu, si toi t'as dû entendre un truc je pense, mais je sais même pas. Comme je disais à Fred, moi franchement je l'ai écouté hein, le son. Moi j'aurais entendu ça, j'aurais filé. J'aurais dit moi c'est bon, j'arrête, je sors, parce que franchement, en étant honnête, vous qui l'avez entendu dans cette vidéo, vous avez dû avoir quand même la chair de poule. Moi je lui ai dit comme ça, je lui ai dit sans déconner, purée, on dirait un son tout droit sorti d'un film, sans déconner. Après voilà, mais en plus on peut dire que c'est vrai, dire ce son a été rajouté au montage. Alors, on pourrait le penser, c'est certain. Moi je lui ai dit, je fais franchement là, nous on sait que c'est réel, on peut envoyer les rushs vraiment aux gens qui le demanderaient. On va être honnête avec vous, je lui ai dit sincèrement, je fais franchement ces bruits là, on va pas nous croire. De toute façon, Olivier a entendu aussi, hein, entendu des voix, la femme, on a entendu cette femme. Est-ce que c'est la même femme qui a fait cette voix-là? Je pense pas, parce que la voix qu'on entendait, elle était un peu pas aussi... Pas agressive, mais elle était un peu... C'était plus... ouais, c'était plus un gémissement, alors que là, on est plus dans une attaque sonore, on est plus dans un son qui veut te dire casse-toi, pour être honnête, quoi. Chacun interprète comme il veut ce qu'il veut voir, ce qu'il veut entendre aussi. À la fin de l'enquête, au moment de partir, on partait dans une pièce au rez-de-chaussée, je crois. Ouais. On monte 2 marches, et là, on entend un bout de verre. À savoir que c'est même pas à nos pieds, ça a été jeté dans une pièce plus loin, je sais pas. Ah, est-ce qu'il y aurait peut-être un carreau qui était cassé, qu'un bout de verre est tombé, du carreau, voilà, peut-être. Après, peut-être paranormal, c'est peut-être rationnel. Voilà. Après, la chose flagrante qu'on a vue en finissant vers la fin de l'enquête, quand tu filmes le couloir, et là on voit un balai d'anomalies visuelles, on le voit sur les roches. Et c'est un truc incroyable, de toute façon je n'avais jamais vu ça. Bah ouais, en fait, on a l'impression que ça rôde, ça reste, ça va de vitesse à l'autre, ça... J'ai jamais vu ça parce que ce serait un insecte ou quoi que ce soit, bon voilà. Mais là, on voit bien, des moments, ça s'arrête complètement, ça vient, tac, ça s'arrête, puis ça repart dans notre sens, ça repose un autre. Après, ça vient vers nous. Pour revenir vers nous, ouais. Et ça revient vers nous. J'avais l'impression qu'on était observé, qu'on nous suivait. Ouais. En toute de cause, je pense que même Olivia n'a été témoin de ces choses. Hein, parce qu'elle était avec nous. Après, elle seule, pour vous dire que tout ce qui est dans cette enquête est réel. Après, nous, ce qu'on vous a montré là, c'est nous ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu sur nos vidéos. Donc, je remercie Olivia d'être montée. Ouais. De Marseille jusqu'ici dans le Hauts-de-France, d'avoir enquêté avec nous. C'est une enquêtrice qui est très sérieuse et très droite dans ce qu'elle fait quand elle enquête. Et passionnée. C'est quelqu'un de très rationnel, elle est très rationnelle dans ce qu'elle fait. Un grand respect, franchement, les superbes. Olivia, je t'embrasse, si tu regardes cette vidéo, je suis certain que tu vas la regarder. Bah oui, c'est sûr. Donc on vous remercie tous de suivre notre page, de suivre notre enquête sur YouTube. Bon, on vous remercie tous, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.